Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory Iron Samurai Series Hanayamaru IFX48. Donc, oui, c'est une série que Iron Factory commence à sortir depuis l'an passé. Une série de toujours des petites figurines de taille légende, hyper bien articulées et tout, mais avec une inspiration samouraï, donc une thématique samouraï. Donc j'avais déjà acheté, j'ai déjà fait la revue de la figurine de Blood Geon, vous pouvez voir dans mes anciennes revues, et ils ont sorti pas longtemps après, je crois que c'est Léo Convoy, le lion, mais je l'ai pas acheté, j'aimais pas tellement. Je vais peut-être me le prendre éventuellement, parce que j'aime bien la ligne. Mais aujourd'hui, on a Hanayamaru, qui est bien sûr Cyclonus. Donc en arrière ici, on a quelques images de Cyclonus en mode samouraï un peu. Mais déjà que c'était facile, puisque dans les comics IDW, on a déjà Cyclonus qui est de type samouraï. Alors, ouais. Donc on ouvre la boîte ici, sans perdre trop de temps. Rien. Figurine ici. On a tout d'abord les accessoires, donc ça vient avec une panoplie de mains, donc si vous êtes habitué à acheter des figurines de Iron Factory, vous ne serez pas perdu. Ah, ouf. Donc voilà, on a un paquet de mains de plus, donc on a des mains ouvertes, donc quand même très cool. On a, c'est vraiment juste pour le poser, on a des mains avec un trou au milieu pour tenir une arme. Voilà. C'est plus une arme genre pistolet, puisque j'ai mis des mains ici pour tenir les épées. Donc voilà, on a des poings maintenant fermés. Maintenant, la figurine vient avec les poings fermés par défaut. Donc ouais, sans plus. Et comme je dis, j'ai les autres mains installées pour tenir l'épée. Côté instruction, on a ça ici. D'un côté, c'est tout blanc. De l'autre côté, transformation du mode robot en mode véhicule. Comme je dis, la transformation, c'est hyper simple, il n'y a rien de très complexe là-dedans. Donc, ouais. Pour ce qui est ici, la figurine. Faites très attention quand on joue avec la figurine, les cornes ici s'enlèvent tellement à rien. C'est garanti que ça va tomber pendant ma revue, là, 2-3 fois minimum. Alors, juste faire gaffe avec ça. Et ici, on a d'autres accessoires. Donc, on a une autre tête. Celle-ci a une corne brisée, et c'est une corne brisée normale, là, c'est comme ça. C'est pas brisé à cause du packaging ou que j'ai joué avec, mais c'est vraiment à cause, dans les bandes dessinées, il se fait casser une corne, et la voilà. Donc on a la tête. Ça. La tête est identique à celle qu'on a présentement, juste comme que je dis, avec une corne de moins. Oups. Donc, ouais, les têtes sont identiques. Juste une corne de moins. Voilà. Sinon, on a un petit... Oh, voilà, on jette ça. On a l'épée. L'épée qui est vraiment merveilleuse. Toute peinturée métallique. Le bleu ici au centre. L'or. Vraiment belle. Et on a son fourreau. Donc, on peut serrer l'épée ici. Et ça rentre très serré. Et voilà. Et si on veut l'insérer dans la figurine, on prend le peg qui est ici. On peut lui mettre dans l'arrière ici, dans le peg. Qui est juste là. Voilà. Et évidemment, oui, il peut tenir son épée dans ses mains. Voilà. Un petit peu louche, on dirait, mais... Voilà. Donc, quand même très bien. On va bouger la caméra un petit peu plus bas pour mieux voir. Et ouais, belle figurine. On l'épée, j'ai de la misère à la faire tenir. Peux-tu tenir un petit peu mieux sur l'autre main? Ah ouais. Donc, voilà. C'est peut-être juste ma main qui est un petit peu louche. Mais ça tient très bien. Pour l'articulation, la tête est sur un bas joint, donc elle peut bouger au bas. Et comme je dis, bon, la corne, les cornes vont déjà rester dans les mains. Mais ouais, ça peut bouger au bas, gauche droite et tourner sans problème. Les bras sont sur un autre bas joint et un cheveau. Donc ça peut monter comme ça, descendre comme ça, pivoter sans problème. On a une rotation en haut du bicep. Le coude plie 80, bah, plus de 90 degrés. La main peut pivoter, c'est sur un bon joint, donc elle peut tourner et tout. Rotation à la taille sans problème. Les jambes, bon, si on ouvre les jupettes, la jambe peut aller de l'avant. Peut aller de l'arrière si on bouge un petit peu mieux.
On a une rotation ici à la cuisse. La jambe peut faire la split. On a le genou qui plie un peu plus que 90 degrés. Et la cheville est sur un bas joint, donc encore là, ça peut pivoter, aller au bas, gauche, droite, et les orteils peuvent descendre. Donc voilà, la jupette ici est sur un bas joint en arrière, peut couvrir ici. Donc, non, mais très bien. La jupette m'énerve un petit peu, il faut vraiment travailler avec pour la positionner correctement, là. Mais sinon, non, mais très bien. Voilà. Petite comparaison ici, on a mon autre figurine de la même série des samouraïs. Donc on a Blogion ici. Voilà. Une autre figurine qui n'est pas la même ligne, mais c'est Iron Factory pareil, mais c'est pas la ligne samouraï. Donc c'est la ligne normale de Iron Factory. Donc on a ici Scourge. Donc, ouais, quand même très bien. autre comparaison ici, j'ai. Le Magic Square Cyclonus, donc on figurine de lui, et on a aussi, je crois que c'est mon Unique Toys Cyclonus, je m'en souviens plus tellement, mais je crois bien que c'est Unique Toys, et ici on a le Generation Classic, et on a le Studio Series, donc voilà, on a toute la famille de Cyclonus que j'ai, donc ouais, on peut voir qu'il est quand même petite taille, mais taille quand même moyenne. Donc, ouais. On peut maintenant passer à la transformation. Et ouais, transformation qui est quand même très simple, mais c'est le résultat que j'aime pas tellement, ou la transition que j'aime pas tellement. Mais bref, on va couvrir ça pendant la transformation. Donc, transformation. Tout d'abord, on enlève l'arme et son fourreau en arrière ici. Et juste mentionner, peu importe quel set de main ou de tête que vous avez, la transformation se fait pareil. Donc, ouais. Donc, pour commencer, on peut prendre ici les bras. On ouvre ici comme ça. On ouvre comme ça. Non, de l'autre côté. Donc, on pivote comme ça ici. On ouvre aussi comme ça et on plie comme ça. Tu vois comme les bras de gorille un peu. Ensuite, on ouvre l'aile et avec le peg juste ici, on vient brancher l'aile à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc, même chose de l'autre côté. On ouvre ici, on ouvre là et on sépare comme ça ici. On déplie l'aile et on la rebranche à l'intérieur du bras. Voilà, comme cela. On prend le backpack ici, on ouvre les panneaux ici. On déplie le cône ici en avant et on ramène le tout vers par-dessus la tête, comme ça. Et on referme les panneaux ici. Et ici, et ça va venir se brancher comme cela. Voilà. Et oups, je crois que la tête, non, c'est la corne. Comme je dis, la corne ici se défait tellement facilement. Donc on remet ça, on referme, on branche. Voilà. Ici, sur le côté, on a des petits pegs difficiles à voir. Et sur les gens de claw, ici, sur les épaules, on vient brancher. Quand même difficile, voilà. Ça fit pas énormément bien. Voilà, comme ça. Donc on a cette configuration-là. Ensuite, la jupette, on l'ouvre et on l'amène complètement vers l'arrière. Et on ouvre les ailes. La jupette ici, on l'ouvre. Ça fait faire des ailes, comme ça. Et on vient ici. Il y a comme un petit tab noir qu'on paye en appui dessus. Ça l'ouvre ça, et là le torse vient s'écraser. Et puis là, on peut le refermer. Et là, on a une petite table noire juste ici avec un trou que l'on vient brancher comme ça. Voilà. Ensuite, en dessous de l'aile ici, on a un peg et on a un trou ici. Donc, on peut bouger la main ici comme ça. Et on vient brancher l'aile sur l'avant-bras. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On lève ici, ici. On vient brancher le peg. Ici, on peut bouger la main. On vient brancher. Et voilà. Pour terminer, les pieds, on rabaisse les orteils. Les orteils. On défait le mollet ici un peu. Et on le ramène vers le haut. Comme ça. On défait le mollet. Comme ça. On ramène vers le haut. Voilà. On a les deux jambes de fait. On peut venir brancher ici.
Et voilà, on a le mode jet complètement transformé. Et ouais, c'est pas le plus beau jet qu'on a de lui, hein. On a le fourreau et l'épée ici. On peut l'insérer ici comme ça. Et là, sur ces deux pegs-là, on peut l'insérer entre les jambes ici. Donc, si on lève ici, on a un petit trou, difficile à voir un peu. Mais on peut l'insérer entre les jambes. On vient débrancher ici, ça va aider. On insère. Voilà, une. Oh, mais difficile à faire. Voilà, allez. Donc voilà, comme ça. C'est débranché. Voilà, comme ça. Et c'est cela. Donc. On peut le débrancher aussi au centre, ici. Donc voilà, on a le fourreau installé et tout. Donc c'est cela. On a le mode véhicule complètement transformé. Et c'est. Ouais, comme si c'est pas superbe. Il y a plein de panneaux partout qui se concordent pas tellement. Les pieds se sont défaits. On peut rebrancher, voilà. Et ouais. On a un petit train d'atterrissage ici qu'on peut ouvrir. Voilà. Et les genoux forment un autre train d'atterrissage, mais c'est quand même très difficile à l'ouvrir également. Très difficile. C'est très. Faut un petit outil. Voilà, donc un peu ouvert comme ça. Ça fait un genre de train d'atterrissage. C'est pas extra, mais ouais. On va le laisser fermer. Comme je sais, excessivement difficile. Fermer ça. Et on peut voir ici la tête, c'est bougé tout croche. C'est pas le meilleur, disons. Transformation est pas si le fun que ça. Tous ces débranchés encore là, rien tient vraiment super bien. C'est vraiment dommage. Petite comparaison ici, on a le Iron Factory Scourge, qui est de l'autre ligne normale, non samouraï. Et d'autres ici, on a le Unique Toys Cyclonus. On a ici le Generation Classic Cyclonus. On a le Studio Series Cyclonus et on a le Magic Square Cyclonus. Donc voilà, c'est ma petite collection. Et ouais, jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment mon préféré, lui. Transformation est pas le fun. Le mode final n'est pas le fun non plus à regarder ou à transformer simplement. Le robot, par contre, il est très bien. Il y a quand même de la gueule. Mais c'est de se rendre au mode véhicule qui est vraiment chiant et tout. C'est pas le fun. Pas le fun du tout. Donc c'est pas une très haute recommandation pour moi. Seulement si c'est vraiment un de vos personnages préférés, oui, je vous le conseille. Sinon, si vous collectionnez la ligne complète des samouraïs, je vous le conseille. Mais sinon, ouais, il y a une autre figurine que je vais faire la revue bientôt. New Age. Attendez celle-là, c'est waouh. Mais sur ce. C'est cela. Donc, on a ici le Iron Factory Iron Samurai Series Hanimaru IFX 48. 48, ouais. Donc, voilà. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.